soit la parole de ta part. Seigneur, sois béni. Sois glorifié, ô Dieu, et rencontrer nos attentes par ton serviteur moyen de ta parole. Nous les laissons ainsi entre tes mains. Merci de l'utiliser comme outil pour accomplir tes desseins sur la terre à l'enfant. Nous soumettons toutes choses, ô Dieu, par ton esprit sous ton contrôle. Nous visons toute action de l'adversaire. Nous proclamons la victoire de la foi. Te disons merci en tout, Dieu. Que ton nom soit béni. Sois loué, sois glorifié, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a été avec nous le dimanche passé. Nous avions introduit notre semaine spéciale pascal. Et nous clôturons cette semaine pascale avec les sujets sur lesquels nous étions partis. Et aujourd'hui, c'est associé à la célébration aussi de la Sainte-Cène. Nous avions invité, pour ceux qui ont été de notre semaine, vous avez déjà connu tous nos invités. Eux avaient déjà travaillé dans notre semaine précédente. Il s'agit du pasteur Israël notre représentant de la communauté Il s'appelle Abissot. Et nous avons eu aussi le pasteur Sylvain. Et la plus représentante dans le Qatar. Et nous avons reçu également un homme de Dieu qui a toujours été à côté de mon cadre dans le monde de ce que il est quelqu'un de la maison. Il a toujours été avec nous pour conseil, s'associant à notre travail, toujours disponible. Chaque fois que la cité de refuge a eu besoin, il s'agit de l'apôtre Gatin. En ce moment à l'Université. C'est à cause dans le corps de Christ. Ils venaient de l'œuvre de Dieu de l'Afrique du Sud. Vous savez, vous savez, il est passé ici pour passer ce moment. Alors, pendant que j'invite l'apôtre Gatin,
ensemble. Mais pour la vie, remercions pour l'apôtre de nous associer à cette merveilleuse célébration. Pour celui qui ne le sait pas, nous sommes en train de célébrer le ressuscité du troisième jour. Et toute la semaine, nous avons été richement bénis. À travers différents messages, ça a été pour une preuve. Parmi nous, dans nos propres églises, il y a eu une richesse. Il y a le dépôt des dieux. Nous avons écouté nos enfants, nous avons bien les côtés ici. Nous avons grandi sous nos yeux. Et qui aujourd'hui parle de la part du Seigneur. Et nous avons les écritures. C'est un encouragement certain pour nous. Nous voulons aujourd'hui apporter un petit message que nous avons intitulé en dépit de tout ce que nous avons écouté la semaine. Nous avons intitulé cela les dieux de délivrance. Nous sommes délivrés pour servir. Si on va clamer pour la parole. La porte
convient ici à vivre. Comment va t on va? Et nous avons cheminé ensemble toute la semaine. Comment est-ce que l'on a posé? Dans une célébration pascale. La posta, je vous la passe. Et nous célébrons la Pâque. Donc, on célèbre la Pâque. Et à travers la Pâque, le mot clé. La Pâque, c'est quoi? La sortie. Et ça dit qu'on vivra. Et la sortie. Mais on vivra. C'était synonyme d'allégement. Il y a un moment où il s'appelle. Oui, je connais l'allégement. Pourquoi il y a un vocabulaire? Et donc ça fait de route. Après, et donc l'objet de son ah,
La sorte à moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon livre est en train de me délivrer les captifs. Pourquoi vous l'avez dans la carte? Libérer les captifs. Pour faire partir les captifs libres. Pour dire que ma maman Je prends au hasard un passage de la Luc, je prends le premier.
des sacrificateurs. Il était longtemps avec sa femme. Sans enfant. Et il était en train de finir. Il avait déjà oublié de prier Dieu dans le moyen. Vous savez, il y a des choses. Aleluya. Y le que subir de mi amor.
une épreuve. Ça s'appelle une délivrance. Et Dieu cherche tous sa délivrance pour donner la gloire à son propre nom. Pourquoi? Puisque dans Esaïe 42, verset 8 à 9, le Dieu l'a dit, je ne partagerai pas ma gloire avec l'autre, ni avec les idoles. Des choses se sont déroulées dans le passé. Il y a des nouvelles choses qui vont encore se produire. Ça, c'est le prophète Esaïe. Il va être conscient de ce qu'il a dit. Je ne le reconnais même pas comme Dieu. Il a fait le bloc. C'est moi qui suis le Dieu glorieux.
ensemble. Et c'était la puissance sur toute la terre. Il venait sur toute la terre. Il venait sur toute la terre. Et il dit, qui est l'Éternel? Il n'a pas voulu donner gloire à nous. Il a refusé. Et ça, c'est l'attitude des hommes en ce moment. Quand tu commences à construire une petite élévation dans ta vie, peut-être que tu avais le vélo, maintenant tu as eu la moto. Celui qui marche
Vous allez découvrir pourquoi Dieu voulait délivrer Israël.
pour lui. Il a pas de plus ça. Ah, vous avez plus ça. Quel est le service? Ni de plus ça. Où est ça? Il y en a qui font certaines choses. Ils ont arrivé à ça. Certaines choses là. Ils ont arrivé à ça. C'est comme on dit, moi. Tu ne peux pas prendre la main. Oh, vous avez
Dieu. Attends, non, ça veut dire que tout le monde sommes appelés. Mais c'est le papa de l'époque là. Papa, on est. Chaque midi, ils vont dans des restaurants. Ah, non, des restaurants. Des royaumes. Des petits restaurants de fortune. Mais c'est la première fois. Je lui ai dit non mais présentement là je n'ai pas 500 dollars.
patience, on va voir. Tu prends patience, on va voir. C'est là où vous voulez trouver. Ma réponse t'appelle très bien reçue. Non, dans cette église, vous n'avez pas d'amour. Le couple a claqué la porte non. Ils sont mauvais. Donc, je n'ai pas compris. Nous ne venons pas dans une association de mutualité. L'église, c'est un lieu où nous venons. Et là, nous sommes délivrés. Nous avons la liberté de faire tout. C'est-à-dire, si je ne travaille pas, je trouve qui travaille. Je dois voir à mon Dieu. Vous irez quand même vous servir votre Dieu. Et la table, c'est la paix. Mais vous mettez en place.
par la nationalité de Dieu. Vous comprenez? C'est qui est là? Ah, ils sont là. Qui est là? Non. Tu veux te délivrer, toi et ton avoir. Amen. Toi et ton avoir, c'est que tu dis. Dieu ne roule ça. C'est ce que tu as présenté ton Seigneur. Ton Seigneur, délivre-moi et présente-toi. Ah, voilà, c'est bon. Que cet argent serve à ta gloire. Il sera ça pour les gens. Là, même quand je vais m'en servir. Je crois que le premier ministre. Qui est en train de vous sauver? Mais vous les hommes, mille hommes, les mamans et les enfants. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens, il est content comme il veut le dire. Mais voilà, il est mort. Dans le premier temps, il dit elle est mort. Elles sont mort. Ta femme est mort. Moi, c'est moi, je ne sais même pas ce qu'ils ont fait les Français pour vous aider. Les femmes sont mortes. Vous devez en faire une loi. Vous devez en faire une charge dans votre cœur. Il n'y a pas de problème. Tant qu'on ne suit pas le problème. D'ailleurs, on a fait ce qu'il est dit. Qui sait si la femme
Je vais vous dire, Thomas. Je vais vous dire, Thomas. Je vais vous dire, Thomas.